ça, on va ajouter la crochet là. D'accord. Voilà, tu parles normalement. D'accord. Donc merci à tous d'être venus, et puis merci à Bruno pour la petite publicité il y a quelques instants. Et surtout pour la présentation de Tox, parce que maintenant vous savez tous ce que c'est, et je n'ai pas besoin de recommencer la présentation. Donc je vais me présenter. Je m'appelle Cyril Roiland, je travaille depuis 2 ans chez Red Hat, où je fais de l'OpenStack. Et on utilise beaucoup Tox dans tous les projets OpenStack. Et en parallèle, je suis développeur de GnuGeeks, qui est un gestionnaire de paquets fonctionnel du projet Gnu. Alors j'ai écrit donc GeeksTox, c'est une version modifiée de Geeks, parce que j'avais quelques problèmes avec Tox. Et on vous a montré la commande Tox-R, qui permet de tracher un environnement virtuel et de le recréer. Et c'est le début des problèmes, c'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment ce qui se passe dans l'environnement virtuel. Et des fois, bah, ça marche juste pas. Et on a un collègue qui dit « Chez moi, ça marche, fais Tox-R, ça marchera mieux. » Donc le problème ne vient pas tellement de Tox, qui est un outil assez sympa, qui nous aime, qu'on aime. Le problème, c'est plutôt VirtualEnv et Pip. Donc on va voir d'abord les problèmes, ensuite je vais vous montrer pourquoi Geeks peut les résoudre. Et ensuite, on verra comment on met les deux ensemble. Donc un premier problème, c'est qu'on a tous fait ce genre de commande dans un environnement virtuel. On essaye d'installer un paquet, et ça me dit « Ah non, il faut que je compile un truc, et je n'ai pas le fichier en tête. Donc ici, il est donné ici, c'est ffi.h. » Et donc on est bien ennuyé, parce que bon, sur le laptop du voisin qui a ffi.h, il lance la même commande, ça marche, tout est installé. Et puis chez nous, non. Alors on croit qu'on a la solution. On dit, bah ouais, je suis sous Debian, apt-get install libffi-dev, ou je suis sous Fedora, ou pod-distrib, et j'utilise mon gestionnaire de paquet, j'installe le paquet qui va bien. Mais c'est pas du tout une bonne solution. Parce que moi j'ai une machine Debian, mon collègue il a une machine Fedora, un autre développeur a une machine Gentoo, et puis un autre mec il installe tout à partir des tarballs depuis les versions upstream. Donc on n'a pas tous exactement la même version, même si on a la même version, bah, y a des patchs en plus pour Debian, pour Fedora, pour la distrib X. Et du coup, bah, selon la machine, selon le développeur, selon que c'est sur la CI, sur la machine de l'utilisateur, bah, on ne va pas avoir les mêmes comportements. Donc si on lance les tests avec Tox, par exemple, on va avoir des bugs différents, parce qu'il y aura des fonctions dépréciées ou qui n'existent pas encore, ou des bugs pas corrigés parce qu'il n'y a pas, le bon patch inclus par la distribution. Et puis surtout, il y a un truc qui est gênant, c'est que bon, le bricolage c'est sympa, mais à un moment, quand deux personnes ont deux machines et qu'elles tapent la même commande, il faut qu'il se passe la même chose. Sinon, c'est pas possible. Au bout d'un moment, c'est délirant. C'est-à-dire, vous arrivez, vous avez un laptop tout neuf, vous n'avez pas le fichier en tête, il ne se passe pas le bon truc, c'est complètement incompréhensible. Et donc, globalement, le gros problème, c'est qu'on n'a pas de reproductibilité des tests avec le système actuel. Alors, Tox est très bien, ça permet de lancer plein de trucs avec des matrices, tout. Impeccable. Mais quand même, derrière, VirtualEnv, ça ne va pas. Donc, quelques exemples de choses qui peuvent se passer mal. Typiquement, vous avez des variables d'environnement sur vos systèmes. Donc ici, par exemple, langue. Alors, si vous essayez, vous pouvez essayer ce code avec Python 3. Si vous essayez d'écrire des accents, ben, il vous faut une langue en UTF-8. Sinon, vous avez une erreur. Non, c'est langue égale C. Alors ça, il y a une solution. On dit, bah ouais, mais dans Tox, tu peux mettre la directive setenv. Tu fais setenv langue égale un truc, ENUS UTF-8, et Tox, il va forcer cette variable d'environnement-là. Mais il y a une infinité de variables d'environnement qui peuvent influer sur le déroulement de vos tests. Parce que c'est des variables d'environnement que vous utilisez dans votre logiciel, que les dépendances utilisent, que des tas de logiciels qui sont impliqués dans votre logiciel utilisent. Et vous ne pouvez pas toutes les définir. Donc, typiquement, vous avez un collègue qui n'a pas la même valeur de langue, il peut se passer des trucs différents. Un problème, c'est qu'on a vu qu'il pouvait y avoir des commandes externes qui étaient appelées. Et donc, Bruno nous dit, bah ouais, et il a raison, c'est ce qui est recommandé par Tox. Si vous appelez une commande externe, type echo, Tox va dire, oula, attention, je ne connais pas echo, il n'est pas dans le bin de mon virtualenv. Et donc là, vous dites, ouais, c'est slash bin slash echo, je sais, je suis confiant, je le mets dans whitelist externals.
Ben, sauf que slash bin slash echo, ce n'est pas le même que celui de votre voisin. Et que si c'est encore un truc relativement simple, ça peut être des scripts plus compliqués, des programmes complets qui font des trucs un peu bizarres. Et encore une fois, ce ne sera pas la même chose que sur le laptop du voisin ou que sur la machine qui lance la CI. Et puis un problème de design, c'est que aujourd'hui, dès qu'on fait un langage, on se sent obligé de faire un gestionnaire de paquets qui va avec. Donc, je vous ai mis quelques exemples. On a pip, on a cpan, on a npm, les gens qui font du Haskell, ils ont un truc pareil. Ça n'en finit pas. Donc en fait, à chaque fois, on redéveloppe le même truc, mais adapté à certains types de paquets. Et donc on se retape les mêmes bugs, on recode tout le temps la même chose, et puis au final, si j'ai une application Python et que je veux utiliser un truc en Perl, je peux pas faire pip install. Pareil, si je fais du Perl et que je veux installer un truc Python dans une sorte d'environnement isolé, c'est pas facile. Typiquement, dans OpenStack, il y a des libjs qui sont packagés sur PyPy, enfin, truc complètement fou. Au final, faire pip install pour récupérer de l'Angular, enfin, n'importe quoi. Ça va pas du tout. Ce qu'il nous faudrait, c'est un gestionnaire de paquets qui soit agnostique quant au langage de programmation utilisé. Donc que ce soit du Python, du Perl, un compilateur, une lib avec des fichiers en tête, ça devrait marcher. Et puis, alors il faut qu'on se souvienne pourquoi on a fait VirtualLand. C'est parce qu'avec les gestionnaires de paquets classiques, on ne pouvait pas installer facilement plusieurs versions d'un même paquet sans pourrir son système. Donc il faudrait que ça résolve aussi ce problème-là. Et en fait, ça existe. Ça s'appelle GnuGix, donc c'est parfait. Donc c'est basé sur un autre gestionnaire de paquets qui s'appelle Nix, qui est peut-être un petit peu plus connu. C'est écrit en GnuGile, donc c'est un dialecte de Scheme. Ça a des fonctionnalités très sympathiques, typiquement la gestion de paquets par utilisateur, des rollbacks, c'est libre, pas open source, c'est libre, et c'est fonctionnel. Alors qu'est-ce qu'on entend par fonctionnel ? On l'entend au sens de programmation fonctionnelle. C'est-à-dire qu'en programmation fonctionnelle, vous avez une fonction, c'est une fonction au sens mathématique. Si vous l'appelez plusieurs fois avec les mêmes paramètres, elle va vous renvoyer exactement la même chose à chaque fois. Et là, on sent que c'est solide. Et on peut faire la même chose dans la gestion de paquets, en pensant les paquets comme des fonctions. Alors, il faut encore voir ce que vont être les paramètres et les valeurs de retour. Donc typiquement, ici, c'est le paquet GNU Hello. Donc ça, c'est du Scheme. Et quelles sont les dépendances? C'est le nom du paquet, sa version, l'URL à laquelle on peut la récupérer sur un miroir GNU, la manière dont on va le compiler, c'est en utilisant le GNU build system, c'est-à-dire configure make make install. Alors ici, il n'y a pas de dépendance, mais il y aurait des dépendances potentielles, des bibliothèques en C, etc. Donc ça, c'est tous ces paramètres. Et une fois que vous l'installez, donc en utilisant la commande gixpackage-i-hello, vous avez la valeur de retour, c'est slash gnu, la dernière ligne, slash gnu, slash store, slash un hash, le nom du paquet. Et après, c'est un dossier, donc qui est dans votre slash gnu, slash store, et il y a dedans un dossier bin avec hello, un dossier lib, etc. Donc le file system classique. Alors qu'est-ce que c'est que ce hash un peu bizarre? C'est le hash de tout ce qu'on a vu de ce qu'on a vu ici, donc tous les paramètres. C'est-à-dire que si vous changez un seul paramètre, typiquement vous changez la version, ou vous compilez avec un compilateur plus récent, vous passez de GCC 4.8 à GCC 4.9, vous allez avoir en retour un hash différent. Mais à chaque fois que vous compilez avec les mêmes paramètres, vous avez toujours le même hash. Donc on voit que par exemple, si vous installez GNU Hello version foo, que vous passez à GNU Hello version bar, vous allez avoir deux entrées dans GNU Store avec deux hash différents. Et le truc, c'est que quand vous installez votre paquet, non seulement il vous crée les dossiers qui vont bien dans slash GNU slash store, mais en plus il vous fait un lien symbolique depuis votre $home slash .gixprofile. Alors, il faut ajuster votre passe pour pouvoir en profiter évidemment. Mais on voit que le truc intéressant, c'est que comme ça, c'est juste un lien symbolique vers ce qu'il y a dans slash GNU slash store. Si vous rendez compte qu'en mettant à jour GNU Hello, ça ne fonctionne plus, au lieu d'afficher Hello World, il crash. Pour faire un rollback et revenir à la version précédente, vous avez une commande gix qui, en fait, tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle revient en arrière avec un lien symbolique.
enfin elle change le lien symbolique pour le remettre sur l'ancienne version. Donc niveau design, c'est quand même pas mal. Alors comment ça permet de résoudre les problèmes qu'on avait avec VirtualEnv et qu'on a vu dans la première partie? C'est très simple. On a une commande qui est un petit peu similaire à VirtualEnv, qui s'appelle GeeksEnvironment, qui va nous créer un environnement virtuel sans polluer le profil, et qui va nous permettre soit d'exécuter une commande donnée, soit de l'utiliser en mode interactif, comme avec un VirtualEnv, vous faites source binActivate. Donc on va voir ça. Donc par exemple ici, en faisant geeksEnvironment-ad-hoc witch, on va créer un environnement dans lequel on aura uniquement la commande witch, telle que définie en scheme dans Geeks. Alors si vous ne mettez pas -ad-hoc, vous avez juste les dépendances qui permettent de construire witch. C'est si vous êtes un développeur de witch, par exemple, c'est utile pour avoir un environnement où vous pouvez compiler votre paquet. Et -pure, ça supprime, ça fait un unset de toutes les variables d'environnement qui sont définies. Donc vous avez un environnement clean, quoi. Alors pas exactement toutes les variables d'environnement, puisque ça remet à une valeur correcte certaines autres valeurs. Par exemple, si on regarde ce qui se passe, on vient de taper geeks, donc apparemment on l'a dans le pass. Donc on fait which geeks, et on va dire, non, j'ai pas geeks, et au lieu de votre pass habituel, vous allez retrouver juste avec ça. Et c'est normal, puisque si on affiche le pass, ici c'est effectivement, il y a juste GNU store, il y a juste ce qu'il faut. C'est-à-dire qu'en fait, on vous a créé un environnement où en remettant les variables d'environnement correctement, vous avez uniquement ce que vous demandez. Si vous avez demandé which et core utils, vous auriez eu deux éléments dedans et vous aurez pu avoir accès à ls et compagnie. On peut le faire en Python aussi, mais alors en Python, donc le pass va être ajusté pour qu'on puisse avoir la commande Python et lancer son interpréteur. Mais en plus, le Python pass va être mis à jour. Donc on se retrouve avec le site packages de Python, et on peut aussi importer Python Babel qu'on a demandé sur la ligne de commande. Et là, on commence à voir un petit peu qu'en fait, ça permet de faire la même chose qu'un environnement virtuel. En gros, ce qu'on faisait avec Tox ou avec VirtualEnv à la main, c'est qu'on disait « je veux tel paquet dans un environnement isolé ». Donc on a vu qu'on pouvait avoir, on pouvait gérer plusieurs versions d'un même paquet, très facilement. Elles sont toutes mises dans /gnu/store. Le truc, c'est que ça ne pollue pas votre profil, parce que si vous l'installez, il est bien mis dans votre profil, vous y avez accès. Si vous faites Geeks Environment, il est juste construit dans /gnu/store, et il n'y a pas de lien symbolique qui est créé dans votre profil. Donc continuez à utiliser votre machine comme vous voulez, et vous faites Geeks Environment, vous arrivez dans un environnement avec le pass qui est bien mis, toutes les variables d'environnement qui sont correctes, vous avez accès que à ce que vous avez demandé, mais ça n'a pas pollué le reste de votre système. Vous pouvez gérer des paquets qui ne sont pas des paquets Python. Si on revient à l'exemple de CFFI que je voulais installer sur les premières slides, là on spécifie en dépendance la lib FFI, et elle est construite toujours. Prenez le laptop d'un autre développeur, il fait la même commande Geeks Environment, il aura la compilation qui va se faire, et on va lui récupérer lib FFI. Et puis on a vu que quand même, on avait une meilleure isolation du reste du système. Puisque les variables d'environnement sont propres, les commandes non spécifiées ne sont pas autorisées. Vous voulez faire make, vous n'avez pas demandé à avoir make dans l'environnement, il va vous dire non, je ne peux pas trouver make dans le pass. Alors c'est fantastique, mais ce n'est pas très pratique, parce qu'il faut quand même tout faire à la main, taper des geeks environments, etc. Et on perd tous les avantages de tox qu'on a vu juste avant. Donc ce qu'on aimerait faire, c'est garder tox, parce que tox est amour, comme on vient de l'apprendre. Et puis ça marche bien, la configuration se fait bien, on connaît l'outil, il tourne bien, c'est surtout VirtualEnv qui gêne. Si vous allez regarder le code, c'est ce qui est fait en quelques commits. Donc je ne dis pas que c'est tout à fait propre, ni tout à fait que ça couvre tous les cas d'utilisation, mais c'est une preuve de concept, où je remplace VirtualEnv par Geeks dans Tox. Donc si on montre un peu ce que ça donne, par exemple, si on va dans, je développe des fois pour un logiciel qui s'appelle Python Keystone Client qui fait partie d'OpenStack. Donc ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a une option --env à laquelle vous pouvez passer Geeks ou VirtualEnv pour choisir votre back-end de gestion des paquets. Donc typiquement, si vous avez un problème, c'est pas gênant, vous passez --env égale VirtualEnv, vous avez le comportement par défaut de Tox. Donc vous ne prenez pas beaucoup de risques en testant Geeks Tox. Et alors, la première fois que j'ai lancé les tests comme ça, il y a eu une erreur, parce que les tests, alors ça marchait très bien avec Tox, et ça marche plus avec Geeks Tox. Je me suis dit, zut, j'ai dû me rater quelque part. En fait, pas du tout, il y a juste des tests qui appellent la commande
le binaire OpenSSL. Et c'est spécifié nulle part, parce que vous ne pouvez pas, dans Tox dire « Ah ben, je veux OpenSSL ». Vous pouvez spécifier que des paquets Python. Donc, on s'attend à ce que vous l'ayez sur votre système. Et toujours les mêmes problématiques qu'avant. Quelle version d'OpenSSL? Celle de Debian? Celle de Fedora? Patché? Pas patché? Donc ici, vous pouvez, avec une variable d'environnement, lui passer des paquets en plus à installer. Et vous savez exactement quel paquet c'est. Et donc après, on vous donne la commande pour des questions de debug. Donc j'ai laissé ça, ça vous permet de voir le back-end que vous utilisez. Et ça fonctionne exactement pareil, ça ne change absolument rien en termes d'utilisateur. C'est juste que ça a changé la façon dont les paquets sont gérés. Il y a quand même des problèmes, et il ne faut pas les cacher. Donc tout d'abord, le plus gros problème, c'est que tout PyPy n'est pas impacté dans Geeks. C'est-à-dire que si vous voulez un paquet qui est présent sur PyPy mais pas dans Geeks, on ne saura pas où le créer. Cela dit, deux choses. On a une fonction qui permet de convertir un paquet PyPy en recette scheme pour Geeks, qui marche pas trop mal. Il y a encore quelques problèmes pour gérer les dépendances, mais je pense pouvoir l'améliorer dès que j'aurai un peu de temps. Et puis deuxièmement, je pense que peut-être les 20% de paquets les plus utilisés sont peut-être suffisants à faire marcher 80% des projets, ou quelque chose dans le genre. Donc, c'est un problème pour l'instant, mais l'idée est surtout d'exposer les problèmes que j'ai avec VirtualEnv, de montrer qu'il y a une solution, et ça, c'est avec le temps, ça marchera mieux. Il y a certaines fonctionnalités qui ne sont pas supportées, donc typiquement, construire des extensions à la volée, donc ça ne marche pas. Il faudra se pencher sur le problème. C'est une version tout à fait alpha qui n'est utilisée que par moi. Mais si vous l'utilisez, alors déjà vous installez le gestionnaire de paquets du futur sur votre machine et ça c'est quand même bien. Et en plus, vous avez un problème, vous êtes pressé parce qu'il faut bosser, vous passez -env égale virtualenv, vous enlevez complètement l'option et ça vous utilise virtualenv plus pip et c'est tout à fait imparfait mais vous ferez avec. Quoi. Vous aurez la version que vous avez aujourd'hui de Tox. Plus gênant, ça tourne uniquement pour GNU Linux. Mais alors théoriquement, on pourrait tout à fait porter Geeks sur du BSD. Il faudrait juste des gens motivés pour le faire. Alors on a un port pour GNU Word, mais je ne sais pas si les gens utilisent tellement GNU Word dans la salle. Et donc alors on est basé sur un autre gestionnaire de paquets qui s'appelle Nix, qui a plus ou moins un port sur OpenBSD. Donc si des gens sont motivés pour le faire, pourquoi pas. Windows, c'est pas libre, donc on s'en fout. On a des clients pénibles des fois. Oui, mais ça c'est un autre problème sur le travail que contraint, vois-tu. Ouais, alors donc je termine sur. Donc à venir, alors je vous ai un petit peu menti, on n'est pas encore tout à fait isolé du système. Parce que si par exemple vous n'avez pas demandé à avoir la commande make dans Geeks Environment, vous tapez make et il va vous dire bah non, je ne la trouve pas dans le pass. Vous tapez slash user slash bin slash make, ça va marcher. Parce que ça existe si vous utilisez Geeks par-dessus une distrib existante type Debian ou Fedora. Cela dit, on a une fonctionnalité intéressante qui arrive, c'est qu'on va lancer un conteneur avec Geeks Environment. Pas en utilisant du Docker, hein, juste un truc. Et donc, vous n'aurez plus accès à userbin slash make, donc ce sera parfait. Et puis, l'auto-impacteur dont je vous parlais ne marche pas encore très très bien. Ça va être amélioré. Il faut que je me trouve un week-end de libre. Quoi. On vous invite à nous rejoindre, on est très accueillants, donc sur Freenode. Et puis, si vous avez des questions... je suis là pour encore 5 minutes, je pense. Merci beaucoup. Donc encore une excellente présentation. Y a-t-il des questions? Oui. Du coup, par rapport à parallèle avec OS3, plus les gestionnaires de paquets standard pour isoler les environnements, fait avoir plusieurs... C'est quoi OS3? Ah, XDG App, le fait de pouvoir installer... un ensemble de paquets, enfin d'avoir plusieurs ensembles de paquets installés et qu'on sélectionne à l'exécution lequel on veut, l'environnement qu'on veut. On veut une distrib de base Debian avec un bureau GNOME et avec un environnement Python 2.6. Mais alors est-ce que ça marche dans Tox en fait? Non. Parce que mon problème c'est de lancer Tox. Je ne sais pas encore si c'était une vraie question.
Moi, d'après ce que j'ai lu le code de Tox, et le seul back-end que je vois, c'est virtuel, en fait. C'est que ça m'a l'air complètement construit autour. Et mon problème, c'était de faire en sorte que mon Tox marche avec quelque chose de mieux isolé, quoi. Et alors, comme je travaille par ailleurs sur Geeks, le choix m'a semblé évident, parce que je trouve le design assez élégant. Il y a peut-être d'autres solutions. Alors, ce qui serait vraiment bien, parce que je n'ai pas encore proposé mes changements aux devs de Tox, mais ce serait cool de voir si on ne peut pas proposer d'avoir quelque chose de plus générique et de sélectionner le back-end comme j'ai fait et avoir plein de trucs. Alors après, vous pouvez mettre du Docker, de l'OST, tout ce que vous voulez. Ce serait pas mal, quoi. Après, moi, j'ai tenté qu'une seule méthode de remplacement du virtuel. Enfin. Une autre question ? Oui, là-bas. Ma question, c'est est-ce que tu n'as pas un outil complémentaire qui permet de répliquer une configuration ? Par exemple, tu as un problème chez un client, tu veux savoir justement quelle est sa configuration pour te mettre dans le même environnement, quoi. Ouais. Typiquement, par exemple, si tu as des services type une base de données qui est configurée de certaines manières ou des trucs comme ça, quoi. Ouais. Ou alors, par exemple, c'est en termes de version de paquet, tu peux assez facilement en scheme récupérer. Même si la version que tu veux n'est pas installée, par exemple, Python Babel, qui n'est pas exactement la même version chez ton client, tu peux faire un paquet facilement pour Geeks et en le mettant sur ta machine pour avoir la même version que ton client. Et sinon, alors, Geeks, c'est aussi une distrib donc, qui s'appelle Geeks SD. Et c'est une distrib donc, où on définit des services avec des configurations spécifiques. Et tu peux lancer ça pour avoir un système qui correspond à celui de ton client, quoi. Donc avoir les mêmes options de conf de ta base de données, ce genre de choses, quoi. Via Geeks Environment, je ne sais pas si c'est tout à fait utilisable, mais c'est une piste à creuser, en fait. Ouais. Pour l'instant, j'ai juste attaqué le problème de VirtualEnv, et je ne sais pas si ce que tu me demandes, c'est bien résolu par VirtualEnv, en fait. Donc, voilà. Une autre question, oui. Oui, merci, c'était très intéressant. Je découvre du coup GUIX et DIX. Et pourquoi l'un est mieux que l'autre ? Pourquoi pas s'être basé directement sur NIX ? GUIX et NIX, ok. Le truc c'est que NIX a une approche un peu différente, c'est-à-dire qu'ils ont un DSL assez particulier pour gérer les paquets. On trouvait que c'était mieux d'avoir quelque chose de déjà existant. Alors, il y a sans doute plus de développeurs Python que de développeurs Scheme aujourd'hui, mais Scheme, ça reste un langage qui existe. Donc on n'a pas redéfini un langage particulier pour la gestion de paquets. Donc on pense que c'est plus facile d'accès. Parce que même si tu ne connais pas Scheme, il y a des tas de ressources disponibles pour apprendre, et c'est plus simple qu'un truc qui est très très spécifique à NIX. Et puis c'est plus orienté logiciel libre, parce que c'est GNU Geeks. Et donc si tu installes NIX, alors NIX c'est un gestionnaire de paquets, mais c'est aussi une distribution qui est NIXOS. Je crois qu'il y a des trucs non libres disponibles, et chez GNU c'est pas notre truc, tu vois. Typiquement Windows, moi c'est pas mon problème, quoi. Donc c'est plus orienté liberté d'utilisateur, parce que c'est plus simple à hacker, et puis parce qu'on packagera pas de trucs non libres, et techniquement on a des choix un petit peu différents, quoi. Oui, une autre question ? Donc, si j'ai bien compris, la définition des packages c'est bon, sont faits donc avec soit en Scheme dans le cas de GUIX, et sinon dans NIX, c'est un DSL qui est aussi un langage de programmation fonctionnelle. Ouais. Pourquoi ne pas avoir utilisé une définition de package statique avec un format déclaratif comme YAML sans programmation du tout, quoi, enfin sans Turing complete. Ouais. C'est quoi l'intérêt d'avoir Le truc, c'est que tu peux être amené à faire. Enfin, des fois, on est amené à faire on patch directement via du Scheme. Donc, soit on applique des patchs de la façon habituelle, soit on fait des changements soit sur le code, soit on rajoute. En fait, la compilation d'un paquet, c'est différentes phases. Donc, c'est-à-dire la phase de configuration, d'installation, de test, etc. Et des fois, on doit rajouter des phases quand il y a certains softs qui s'installent de manière très très bizarre, où il faut faire des trucs, c'est des très vieux trucs, il faut faire un CP à la main au milieu du programme, etc.
Donc ça, on peut le faire en programmant. De manière statique, ça aurait été un petit peu lourd. C'est-à-dire qu'il aurait fallu prévoir plein de cas particuliers, mais au bout d'un moment, ça fait un empilement de trucs un peu sales, quoi. Puis ça permet de faire des trucs pas mal. C'est-à-dire, par exemple, pour Python, on a, comme dans Debian et comme dans tout un tas de distrib, pour un paquet fou Python, on a Python fou et Python 2 fou, parce qu'on est un peu obligé d'avoir les deux. Et en fait, comme on ne voulait pas dupliquer tout le boulot, on définit un paquet, alors comme on fait avec Hello, qui s'appelle Python fou, qui est la version Python 3. Et via de la prog, on a une petite méthode qui permet de transformer ça en paquet Python 2 en gérant toutes les dépendances, en les remplaçant par celles qui vont bien. Et du coup, tu as juste à faire ta définition une fois. Il y a une ligne derrière qui dit « je veux aussi pour Python 2 et ça s'appellera pas Python fou mais Python 2-fou ». Tu mets ça et c'est un avantage du truc. On aurait pu là aussi faire un truc statique, mais ça fait un peu tassé. L'approche naturelle, c'est d'avoir de la programmation. Et si tu regardes, si on revient sur la définition de Hello tout au début, ça se lit quand même assez bien. Typiquement, que tu aies parenthèse name hello parenthèse ou un truc en YAML avec un tiret ou du JSON, c'est à peu près pareil. Et si en plus, tu as besoin de faire un truc un peu plus compliqué, donc je ne vais pas montrer là parce que ce n'était pas l'objet, tu peux faire des trucs un peu plus compliqués en rajoutant de la vraie prog au milieu, quoi. Voilà, on va prendre une dernière question ici, puis ça va être l'heure de la pause. Sinon, je prends des questions en pause éventuellement. Deux questions, c'était quel chemin t'encourages pour essayer GUIX à partir d'un système existant, par exemple Debian. Et l'autre question, c'est est-ce que cet outil a été adopté par OpenStack ou c'est juste toi dans ton coin qui l'utilise? Alors, j'ai dit que c'était Red Hat qui m'envoyait ça. Alors merci beaucoup Red Hat, si vous voyez la vidéo, parce qu'ils m'ont payé le trajet et tout ça. Mais c'est un truc que je fais sur mon temps libre. Donc ne vous précipitez pas pour dire que Red Hat va remplacer RPM par GUIX. Ça n'est pas encore... ça viendra dans les quelques décennies qui viennent, mais pour l'instant non. Donc ce n'est pas adopté par OpenStack. Alors cela dit, moi je pense que il y a encore un peu de boulot à faire, mais c'est un truc que j'espère utiliser moi sur mon laptop. Et puis il y a des trucs dans OpenStack où certains outils pour les développeurs qui des fois sont un peu. Enfin, ne marchent pas tout à fait parce qu'il y a des petits problèmes de dépendance comme ça et qu'on a du mal à débugger. Et j'aimerais bien m'amuser à avoir une preuve de concept d'un mini déploiement d'OpenStack fait avec GUIX. Mais il y a un petit peu de boulot quand même, quoi. Et j'ai oublié la question d'avant. Mais comment faire une transition vers GUIX ou l'essayer en... Ouais. Alors, soit vous installez directement à la distrib GUIX SD, éventuellement dans une machine virtuelle, et c'est très bien. Soit, alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai... Bon, alors, pas sur cette machine-là, parce que c'est pas ma machine perso, mais donc je peux pas vous le montrer, mais vous pouvez avoir votre apt-get, et en plus, vous pouvez installer GUIX en plus, quoi. Alors, sur le site, donc gnu.org/s/GUIX, vous avez de la doc, vous avez une install un peu binaire qui va vous installer directement ce qui va bien dans GNU Store ou une install via les sources classiques. C'est pas très compliqué à installer, il y a quelques étapes manuelles, mais la doc détaille tout bien. Après, si vous voulez hacker dessus, le mieux c'est encore d'installer ça depuis le Git. C'est ce que je fais personnellement, puisque vous aurez directement les derniers. Typiquement, les conteneurs, ça va être dans le Git avant d'être dans la prochaine release, quoi. Il faudra attendre un peu plus. Et ça s'installe relativement bien. Vous n'avez pas tellement de possibilités de complètement casser votre système. Parce qu'en gros, moi, j'ai juste ajouté home.geeksprofile dans mon pass. Il y a des fois des petits ajustements sur quelques variables d'environnement pour les libs à faire, mais vous ne pouvez pas trop casser votre système. Ça va tout installer dans /gnu/store. Donc le jour où vous en avez marre, vous pouvez faire rm-rf/gnu/store en route et ça a disparu à peu près complètement. Donc oui, prenez le Git, testez-le et envoyez des patchs, on est très sympa. Bien, merci beaucoup. Merci.